Salut à tous, c'est Arkenkay et bienvenue dans Xenoblade Chronicles. Aujourd'hui, donc, on va récupérer le dernier objet qu'il nous faut pour pouvoir faire ce rituel, pour pouvoir monter un peu plus haut dans Bionis, hein. Donc, pour atteindre les parties supérieures et donc la jungle de Makna. Donc, nous sommes dans les marais Sator, et voilà, hein, je le prononce très bien maintenant, moi, je me suis entraîné. Et du coup, bah voilà, on va aller. On va passer par là. Comme vous pouvez le voir, il y a un passage. On voit sur la carte, hein, au cas où. Bien sûr, ils avancent pas vite, mais là, hop, ça va descendre, donc ça va aller un peu plus vite, nickel. Donc caverne immergée, voilà, on voit qu'on s'en approche, on est vraiment pas loin. Et si je me souviens bien, ici, il y a de la bestiole. Voilà, donc ce sera juste sur la hauteur. Lui, il veut se battre. Calmez la chauve-souris. Ah, il m'a immobilisé, du coup, ça nous descend. On peut toujours pas bouger. Il nous donne en plus un bon coffre. Cuirasse impériale et snapper fier. Donc attends, on va regarder ce que c'est. Je vais juste me mettre sur un côté là pour pas être emmerdé. Voilà. Le sniper, est-ce que c'est intéressant? Non, c'est de la grosse daube. D'accord, alors après, voilà. Le bouclier, je l'ai mis à fond. Ravage. Est-ce que j'atteins le ravage? Ouais, ça c'est pas mal aussi, les dégâts additionnels. Ouais, par contre, j'ai pas regardé les autres. Ouais, bah, je vais attendre la. Je vais attendre sa super attaque, là, celle qui donne de la vie à tout le monde. Allez, on continue, on progresse. Donc, je vais passer niveau 30 bientôt, je pense. Allez, vous allez voir, c'est juste dans un endroit bien fermé, on va se mettre là. Bah, il est déjà passé niveau 30. On peut dire que Shulk, là, il va le passer quasiment direct. Ah putain, j'ai utilisé un peu son côté. Ah mais ferme ta gueule. Ouais. Parfait. Donc Shulk n'a pas level up. Voilà, du coup on va pouvoir tout faire. Donc on va pas s'emmerder. Hein. On va. Merde. Sortez et portez là, voilà. Et on va pouvoir faire ce petit rituel que moi je voulais faire parce qu'en fait comme ça je vous dis j'ai toute la zone pour moi après en off pour faire toutes les petites quêtes annexes de merde. Oui oui. On va passer par là. Voilà, donc c'est là que ça va jouer. Il faut que je me tape un gardien. Bon, ça va, le gardien, je pense que je vais bien me le faire tranquille. Enfin, je dis ça, mais regardez, j'ai presque plus de vie. Ah putain, il a esquivé, ce qui fait que j'ai pas eu mon objet spécial. Ah, ce qui serait bien, c'est que je gagne vite mon objet. Enfin, voilà, je passe du coup critique comme ça. Que je gagne un enchaînement. Ah, on l'a presque. Bien joué. Parfait, là, il nous a tous régénéré. Ah, j'ai encore gagné un peu de. D'esprit. Pas de. Ma barre elle a encore augmenté, pardon. Allez, allez, allez.
Voilà, c'est bien de faire ça. Je voulais le faire, mais... Parfait. Donc là, on va le calmer. C'est pas grave, on va... On va lui foutre une hémorragie. Hop, voilà. Elle, elle est forte contre les ennemis volants. Lui, il est en face de moi, là. Qu'est-ce qui serait intéressant? Eh oui, bien sûr. Non, assez vite. Parfait, on a gagné un niveau. Nouvel art. Ah, ah mince, bon, on va attendre que la petite cinématique passe. Nous avons réussi le rituel. Alors, sachant que... Qu'est-ce que c'est que son nouvel art ? Ouais, ça c'est intéressant, je vais lui mettre. Je vais lui mettre à la place de. J'endors pas aux ennemis. Allez, encore. Ah, c'est une attaque qui fait pas mal de dégâts. Et qui va hébéter les ennemis, donc ça fait toujours une personne en plus qui peut assommer un ennemi. C'est mieux qu'endormir, parce qu'endormir, en fait, on peut s'en servir, mais... Moi, je pense que c'est mieux. Voilà, donc allez, après on continue, on va passer par là. Ouais, ce lift ne bouge pas. 本当だ。大昔に壊れてしまったのかな。仕方ない。回り道するしかなさそうだね。回り道ってまさかこの壁を登るの？みたいだな。うへえ、マジかよ。何のために歩んだよ、こいつは。文句言わない。さあ行こう。登れそうな壁を探さなきゃ。 Donc ouais, on va faire de l'escalade, bah oui, parce que ça serait pas marrant sinon. Donc je sais plus si c'est ce côté ou si c'est l'autre, et j'imagine que c'est celui-là. Voilà. Ça va, c'est pas trop dur. En plus là, dans ce jeu-là, ils escaladent assez vite. Comme dans les gens de Zelda, je trouve qu'il rame du cul par exemple. Mais là, là ça va assez vite. Donc là, comme vous pouvez le voir, il me reste encore un peu de la hauteur à faire. Ouais. Ah oui, d'accord. Là, je crois que non, on peut pas là, il faut aller plus loin. Bon, il reste des objets, j'ai vu, mais vous en faites pas, moi, j'ai tout fait en 109. De mon côté. Il y a un endroit pour escalader là, mais moi j'aimerais bien voir ce qu'il y a là en fait. Il y a rien, donc on peut revenir là-bas. Fais gaffe de pas tomber, hein, ça sert à rien de se péter la jambe. Il y a quelque chose, hein.
Vous voyez, des fois il y a des objets de quête rouges, donc intéressant de les prendre direct. Ah oui, c'est là. Bon, on est presque arrivé là. On pourra aller à l'intérieur de Bionis. On va passer par là, je pense. Tombe, voilà, doucement. Ouh là là, j'ai eu peur là. Un gros moment d'émotion. En gros, l'ascenseur arrivera là, il faudra que je l'appelle plus tard, mais plus tard je pourrais m'en servir. On arrivera à le réparer. Sinon, ce serait pas fait chier à faire un ascenseur. Non, je pourrais l'acheter ça. Je m'en fous. Allez, vas-y, tiens, ça te fera du bien. Allez, c'est parti. Rai, soro soro iku ka, Shiro-kun. Un. Demo, sono mae ni. Dou shita? Monado no koto nan desu kedo. Shibaraku no aida, boku ni kashite moraemasen ka? なぜ俺に聞く？この剣はもともとダンバンさんが使っていたものです。でも今の僕にはこの剣が必要なんです。だから。よせよシルク。俺なんかよりお前の方がはるかにうまくモナドを使えるじゃないか。それに今の俺にはこの刀が返されても困っちまうよ。あの主戦土にたんと踏んだくられたんだ。元を取るまでは使い倒さなきゃな。ダンバンさん、お前はここまで戦い抜いてこられた。それこそお前がモナドに選ばれた証じゃないか。俺はそう思うぜ。自分に自信を持て、シルク。自分に自信を。ただ食われるだけの餌では終わらない。それが俺たちホムスの強さだ。その強さ、思い知らせてやろうじゃないか、奴らに。はい。さあ行こう。お前がビジョンで見たという。監獄塔を目指して。Voilà, donc vais-je en profiter pour vous montrer une petite vue vite fait qu'il y a d'ici, hein, donc voilà, on voit que ça fait quand même bien haut, mais c'est vrai qu'il fait toujours sombre un peu ici, donc c'est vrai que c'est pas comme dans la jambe de Bionis où on voit vachement loin. Ah bon, allez, on va à l'intérieur maintenant, c'est parti. なんだか薄気味悪い場所だな。うん、例えるなら巨神の体内といったところか。どうしたシルク。あ、いえ、なんだか巨神が本当に死んでいるとは思えなくて。うん、おいおい、冗談だろ。生きて動き出したら大変なことになるじゃねえか。なあ、早く行こうぜ。Et oui, donc nous sommes à l'intérieur de Bionis. Bionis qui était un être organique, hein, donc du coup ça fait comme si on était vraiment dans un corps humain ou autre. Sauf que là c'est un peu plus spécial quand même.
troisième poumon. Voilà, déjà ça c'est spécial. Troisième poumon, ouais. Bon, on court, hein. J'aime bien le bruit que ça fait quand je marche. Donc oui, hein, c'est une nouvelle zone hein, aussi. Voilà, donc là on va réussir à monter un peu plus haut. Prendre ces trucs là, je sais pas si. Ouais, le truc est prévu pour nous péter la jambe à l'atterrissage quand même. Voilà, ce qui fait que là on est vachement monté plus haut. Donc, ça c'est une zone qu'on va passer très très vite en fait, parce qu'il y a deux fois l'intérieur de Bonis à passer, et là c'est vraiment la partie on trace en fait, ça nous emmène vite fait. Vous avez vu, il n'y a aucun objet à ramasser, il n'y a rien à tracher supérieur, voilà. Est-ce que j'ai des trucs... des points intéressants, là? On va faire un petit tour vite fait. Ah oui! Ah non, ça j'avais dit oui, voilà, on continue. Là aussi, pareil, on continue, je crois. Pas mal ça aussi. Hein. Ah oui, Eren, lui, on est. Augmente le maximum de PV, donc faut bien que je fasse gaffe, mais bon, il y a encore de la marge. Ceux qui gagnent moins de points que nous. Hein. フェイスネメシス。躯体はこれで完成した。あとは魂の転送さえ成功すれば、あの損傷はフェイスの装甲を妖怪できる存在など、まさか。バネア様、エギル様がお呼びです。 わかりました。このフェイスの調整が終わり次第伺うと伝えてください。了解しました。 これで私のすべきことは全て終わりました。あなたなら、鬼神界、いえ、この世界全体に新しい時代をもたらしてくれるはず。 Voulez-vous sauvegarder votre progression? Oui. Allez, on continue. Donc voilà, on commence à nous dévoiler de plus en plus de choses. Voilà, allée de Makna. Donc là, c'est une très belle zone aussi. Il y a même une zone dans cette jungle qui est vraiment belle, je vais m'arranger. Bah de toute façon si, je vais être quasiment obligé de vous la montrer. Donc là on est au niveau du dos de Bionis si je me souviens bien.
Là, ça fera très Jurassic Park, hein. La jungle, normal. On a peut-être une vue là avec quand on rentre dans la zone. Un dragon blanc aux yeux bleus. Enfin, c'est un ultime dragon blanc. お前たちを残して私一人だけ逃げ帰れというのか。メリアスは我らの希望。ならばこの命、閉すことこそが誉れ。何の恐れも後悔はありません。さあ、ならん。私とてあやつを倒さずしてコートには戻れぬ。 暑いな。なんだここ。こんなに木々が茂ってるとこ初めて見た。だよな。どこまで続いてるんだ。ここは巨神の背中あたりだ。シルクのビジョンによれば目指すはあそこ。ここよりはるか上だな。じゃあしばらくはこのまんま行くのかよ、この蒸し暑い中を。あそこに上がるための手立てを見つけないといけないわね。 それまでしばらくここにいることになるのかしら。ねえ、ここは塔の外に出たみたいね。よく来たな、モナドを継ぎし者よ。 弱すぎるぜ。貴様、何者だ。僕はお前たちを許さない。はあ、うん、思い知れ。これがフィオルンが陛下が受けた痛みだ。 白い顔つき、それにあの女の子は誰だろう。ビジョンはまだ見ぬものも、出会っていない人も映すのか。それらがもたらすもの、それさえ分かればもっと上まく立ち回れるのに。ねえ見て、吊り橋、こんな場所に誰が。ノポン族だろう。俺たちのコロニーに帰化した連中も多いが、 彼らの発生はここ、マクナ原生林だったはずだ。そいつら巨神の頭に行く方法も知ってたりしないかな。それは分からんが、何の当てもなく歩き回るのも危険だな。まずは彼らの村を探してみるか。 Voilà, donc la jungle de Makna, sachant que le village on le voit d'ici. Regardez, c'est le grand arbre là-bas. Donc voilà, c'est parti, on va commencer à progresser par là-bas. Bon, non, il doit y avoir un endroit pour descendre. Oui, bah voilà, c'est là. On va passer par là. Sachant que... Bon, oui, bien sûr, j'en ramasse déjà, mais... Gantelet.
Et... Ouais, pourquoi pas. Allez. Bon, je suis plus les torse nu, il a bien raison parce qu'il fait très chaud ici. C'est normal, hein, c'est la zone qui veut ça. Niveau 27. Est-ce que ça donne de l'XP, ça? Comme vous pouvez le voir, il y a des gros insectes à l'arrière. On est loin d'avoir exploré tout le jeu. Hein. Lui il va m'attaquer, non? Non, peut-être pas, non, il attaque pas. Lui il attaque là, mais bon. Bon, allez, vas-y. ¡289 XP! Putain, ça valait le coup, hein. Ça me donne plus qu'une quête. ¡151 XP! Alors, nectar de bidule, et ça, il va me le donner. Alors, faire gaffe, ouais. Là, il y a des marchands, nickel. Il y a un monument là. Ah ouais. Bon, il y a des marchands et tout, on va... Allez, c'est parti, file-moi tes quêtes de monstres. Eux, ils sont costauds à battre, ouais. Pourquoi pas? Allez hop, voilà, donc lui là. On va lui vendre tout notre bordel. M'en fous, m'en fous. Parfait. Ça, on vend. Là, tout ce bordel. Ah, il y a peut-être des trucs à acheter, par contre j'ai pas beaucoup de pognon, ouais. Ah, y'a mon Ever qui se baisse, mais sachant que... Ever qui se baisse, mais oui. J'imagine c'est parce que je lui ai mis des trucs qui lui augmentent ça. Par contre, c'est vrai qu'elle avait 3 emplacements de vide, l'autre. Alors, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? Alors on verra bien faire. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ah ouais, du coup, pour mettre les... Ah, du
coup j'ai perdu du pognon, c'est pas grave. Vélocité. C'est quoi la vélocité en fait? J'ai pas compris. Ah, c'est la vitesse des attaques, des autres attaques. Ah, c'est pas mal en fait ça. D'accord, c'est ça la vélocité, je savais pas. Alors on va lui mettre celui-là. On va lui remettre un peu des verres, hein, parce que c'est surtout... Ouais, d'un côté la force, elle n'en a rien à foutre, elle. Ah si, ça lui fait des dégâts, ouais, si. Il faut peut-être pas que sa vélocité soit trop forte, parce que sinon ça va lui faire recharger... Ah, je vais enlever la force du coup. Tiens, reprends-la. Voilà. C'est pas grave, je le revends d'autres flingues. Par contre, regardez, je l'ai acheté 6500. Hein. Je risque de pleurer. Putain, 900, hein. S'il te plaît, quoi. Ça va te faire enculer, mon fond de mes couilles. J'ai à peine de le tester. J'ai même pas tiré une fois avec. Alors, après... ça. Alors les bottes, elles intéressent Chuck. Donc on va lui en mettre deux. Tout le bordel, ça tombe bien, lui il vend pas des grimoires, ça m'évitera bien de me ruiner. Ah, ils ont les mêmes bottes, donc du coup. C'est vrai qu'ils s'équipent quasiment avec les mêmes trucs, donc à chaque fois, si ça plaît à l'un, ça peut plaire à l'autre. Ici, c'est ça. Ah, vous savez, on peut sauter. Ah, oui, voilà, c'est ça la zone que je parlais qui était très belle, regardez. Cette zone avec les cascades là. C'est vraiment. Après, il y a peut-être la journée, faites voir. Attends. Je vais vous mettre la journée. Voilà, peut-être que vous verrez mieux sur YouTube. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un... regardez, il n'y a jamais de chargement et c'est tout ça, hein, la zone. Hein, c'est. C'est une zone très grande ici aussi. C'est vrai que tu te poses la question, mais comment ils ont fait pour attacher ce côté du pont avec l'autre côté? Ah, c'est ça les Félix de maintenant là, que je dois chasser. Alors, on va commencer à s'en faire un. Donc, vous voyez, c'est des gros loups. C'est du warg de qualité ça. Tiens. Parfait. Ça a l'air pas mal niveau combat. Alors là-bas il y a de la... Wouah! Ça c'est du bonhomme, mais j'ai pas envie de me le faire. Ça va. Vite, assomme-le, assomme-le.
Ça ne tombe pas longtemps, mais c'est pas grave. C'est toujours ça en moi. Merde, non, je soigne, on en a pas besoin. Parfait, 9600. Bon, bah ça m'aura remboursé le pistolet que j'ai acheté pour rien. 300 XP. Je veux dire, je vais vite monter en niveau. Bouclier, c'est pour tous. Par contre, rapidité, c'est juste pour une personne. Donc, faut bien faire gaffe à qui c'est que j'utilise. Lui, il m'en manque un peu. Je vais juste regarder où j'en suis là. Ouais. Ça fait combien de temps là l'épisode? 36 minutes, allez, encore un dernier bonhomme. Ouais, tous les deux là ils sont ensemble, moi déjà hein, j'ai du mal. Ah bah tiens. Pas besoin de battre un mec, hein, juste à découvrir un lieu. Ce pouvoir il coûte cher, mais au moins ça fait toujours du bien à chaque fois. Ah, 1900 est là. 1916, putain, chier. Allez, un peu plus de précision et d'esquive pendant un peu plus longtemps, pourquoi pas. L2111. Allez, la dernière ennemie. Ah. C'est un objet spécial. Dieu. Allez, c'est parti. Quand ça pop comme ça devant toi, là. Non, j'ai pas utilisé. Hein. 306 XP, mais moi je vais continuer à déglinguer ces bestioles. Hein. Ah oui, regardez, il y a ces sortes de dinosaures là. Dinosaures électriques. On s'en fait un petit? Allez, on s'en fait un petit, ça sera la fin de l'épisode. Yahoo! Alors. Rien à foutre, je vais faire un combo contre lui. Hop, c'est bête, un ennemi qui a chuté. Elle me l'assomme une fois. Je le rassomme un coup, on sait jamais. Voilà, donc il y aura plein de monstres comme ça ici. Il y en a un qui est super gros, il y a une, quasiment un T-Rex dans la jungle. Là, je vous montrerai, je pense qu'on va y passer devant à un moment. Voilà, donc moi j'adore cette. Voilà, je vais vous quitter sur cette petite. Voilà, bon, peut-être pas que je tombe, sinon bon, c'est pas grave, après moi de mon côté je me démerde. Voilà, je vais vous quitter sur cette image là, très très belle du jeu. Avec les chutes, je sais plus comment elles s'appellent ces chutes, de toute façon on y fera un tour au bout d'un moment, je crois. Avec la quête principale, donc on ira de toute façon. Bon, je vais peut-être y aller avant, comme ça me fera un point de repère. Comme ça, voilà. Allez, bah merci d'avoir suivi, j'espère que vous appréciez toujours cette aventure. Moi, bah, personnellement, je fais que jouer à ce jeu, donc je vais essayer de tourner aussi d'autres contenus, hein, parce que voilà. Allez, bise et à la prochaine.